Yo, tu cherches un site fiable et rapide pour acheter des crédits ou des points FIFA? Alors n'hésite pas à aller sur gofifacoins.com, c'est le site le moins cher du marché. En plus, avec le coupon Loupel, tu auras 5% de réduction sur ta commande. Toutes les infos sont dans la description. Yo tout le monde, c'est Loupel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une présentation d'équipe. Et aujourd'hui les amis, je vais pas vous présenter n'importe quelle équipe. Aujourd'hui je vais vous présenter une équipe hybride Serie A Ligue 1, donc une équipe très compétitive. Le budget est d'à peu près 80 000 à 100 000 crédits, ça dépend à quel moment vous la faites, s'il y a des packs spéciaux. Avec la TOT, ça fait énormément chuter les prix, donc franchement ça dépend du moment. Mais l'équipe vaut à peu près 80 000 crédits. Donc les frérots, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va commencer par vous présenter l'équipe tout simplement. Au goal, Buffon, valeur sûre, très connu, très bon goal de Serie A. Franchement je le kiffe ce joueur, voilà, il est exceptionnel depuis le temps qu'il est là les amis. Depuis le temps qu'il joue au football, il est juste exceptionnel, donc au goal, Buffon. En défenseur droit, on a Abate, donc voilà un très bon défenseur, très rapide. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on l'a pris, bon physique, bonne vitesse, voilà, donc un très bon défenseur. Ensuite, pour la charnière centrale, on a Barzagli. Donc voilà, Barzagli, c'est 75 de vitesse, 88 de défense, 77 de physique, donc des très bonnes stats, très bonne défense, gros physique, il est assez grand, donc c'est parfait. Il est associé à Chiellini, donc voilà, Chiellini, 77 de vitesse, 90 de défense, 84 de physique, donc voilà, des stats qui sont juste énormes pour un défenseur, voilà, c'est sûrement un des meilleurs défenseurs du monde. Donc voilà, c'est juste énorme, la charnière centrale plus le gardien les amis, c'est exceptionnel. On va maintenant passer au défenseur gauche qui n'est autre que Kurzawa. Voilà, Kurzawa, l'ailier gauche de Paris, voilà, très très complet ce joueur, voilà, bonne défense, bonne vitesse, bon physique, bonne capacité de dribble, bonne capacité de relance, voilà, donc un joueur très complet. Ensuite, pour le milieu de terrain, on a notre ami Marquisio. Voilà, Marquisio, 80 de vitesse, 82 de passe, 74 de tir, 83 de dribble, 77 de défense, 78 de physique. Donc les amis, c'est des stats qui sont très équilibrés. Il pourrait jouer MDC comme MOC comme MC. Moi j'ai choisi de le faire jouer MC, donc voilà. Très bonne stat, 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, élevé, élevé, il monte, tire, descend, c'est parfait, très bon joueur. Ensuite, pour le milieu central, voilà, c'est un MC, hein, Matuidi. Donc voilà, Matuidi, tout le monde le connaît, 75 de vitesse, 67 de tir, 77 de passe, 75 de dribble, 83 de défense, 80 de physique, donc voilà, des stats énormes. Donc voilà, il va être un peu plus en retrait par rapport à Marquisio qui va monter un petit peu plus. Mais voilà, franchement, Matuidi, joueur énorme ici, mais de toute façon, ça sert à rien de le présenter, tout le monde le connaît les amis. Ensuite, pour le poste de milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Hatem Ben Arfa. Donc voilà, la petite pépite de cette année, la petite révélation, enfin même si on le connaissait avant, mais qui s'est révélé. Donc 80 de vitesse, 80 de tir, 79 de passe, 87 de dribble, 74 de physique, donc voilà, des très bonnes stats pour un milieu de terrain. Franchement, il est juste énorme, je le kiffe beaucoup, il est très technique, gros physique, il tient bien, il est très agile, donc franchement, un joueur qui est juste énorme. Ensuite les amis, pour notre ailier droit, on a Cuadrado. Donc voilà, Cuadrado, tout le monde le connaît. Voilà, 93 de vitesse, 77 de tir, 75 de passe, 87 de dribble, 71 de physique, donc voilà, des très bonnes stats pour un ailier droit, très rapide, très technique, avec 5 étoiles de gestes techniques, il va monter souvent en attaque, donc c'est parfait. Pour le buteur, on a notre ami Alexandre Lacazette. Voilà, Alexandre Lacazette qui est très très bon sur FIFA, 88 de vitesse, 85 de tir, 74 de passe, 85 de dribble, 73 de physique, donc voilà, avec 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds, il va rester en attaque, c'est un bon buteur, il tient bien l'épaule, il tient bien en physique, et puis il peut te faire des accélérations, et puis il a une finition qui est juste exceptionnelle. Donc voilà, Alexandre Lacazette au poste de buteur. Et enfin, en ailier gauche, on a notre ami Boufal. Voilà, Boufal, c'est 87 de vitesse, 80 de tir, 77 de passe, 87 de dribble et 50 de physique. Donc voilà, il a pas beaucoup de physique, certes, mais c'est un excellent joueur, il a des excellentes stats, 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestes techniques. Donc c'est autour de lui que je voulais faire cette équipe et c'est autour de lui que je me suis appuyé. Donc voilà, franchement c'est un joueur qui est juste énorme, il m'a pas marqué, il a pas été trop décisif, mais je peux vous assurer les amis qu'en match il a fait du très très sale. Donc voilà les amis, à quoi ressemble l'équipe quand elle est terminée. Donc voilà, c'est juste une équipe qui est énorme sur le papier, elle a des joueurs qui sont juste oufissime, à des prix mais qui sont tellement tellement peu élevés, enfin franchement les amis, il y a moyen de se faire plaisir. Donc je l'ai pas dit aussi, mais on a 3 joueurs à 5 étoiles dans cette équipe, donc voilà, je voulais aussi me faire une équipe skill, une équipe plaisir, donc voilà, franchement c'est juste une équipe énorme les amis, et puis on va tout de suite aller voir ce que ça donne en match. Ok les amis, donc c'est bon, on a trouvé notre adversaire, on voit qu'on tombe face à une belle équipe de BPL. Ok, ok, là, sorti une belle équipe de BPL, ouais, une équipe de BPL classique avec du Sturridge, du Silva, ouais, ouais, ouais.
Pas mal de vitesse sur les côtés. Bon, ouais, une bonne défense aussi. Ça va être un match intéressant, les amis. Donc, on va voir ce que ça peut donner, si cette équipe va faire du sale ou pas. Et puis, les mecs, comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleures actions de cette première période. Ok, Marquisio qui est passé, qui a eu le départ d'Alexandre Lacazette. Lacazette qui va frapper, Lacazette la frappe et première frappe cadrée de ce match, mais bon arrêt de Petr Cech. Non, oui, bien joué, Kartien. Encore. Oh putain, c'était chaud, mais ça va. On gère bien. Hop. Hop là. Énorme, bien joué ça. Je dis oui. Encore. La frappe et le but. Lacazette, j'y croyais pas trop, et comme je vous dis que Lacazette, il résiste bien au physique, il a bien résisté, puis derrière, voilà, il n'y a eu plus de défense, on a juste le gardien, 1-0, les amis, on commence bien ce match. Ok, c'est bien joué, Alexandre Lacazette, la finition, Petr Cech qui est chaud, dommage Lacazette. Quadra, ok, Atem, bien joué, petit compte favorable, ok, ça c'est bien joué, Ça c'est bien joué. Magnifique. Non, encore. What the fuck, non. What, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, j'ai pas réussi à tirer, dommage. Ok les amis, donc à la mi-temps, on voit qu'on gagne 1-0. C'est un match où voilà, on domine plutôt pas mal. On a la possession, niveau tir, voilà, on a tiré un peu plus. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Pour l'instant, on a proposé du jeu qui était plutôt pas mal. Maintenant, voilà, on va essayer de développer encore un peu plus ce jeu. On va essayer de marquer d'autres buts. Et puis, les amis, on se retrouve pour la suite de ce match. Non. Poteau, voilà, là, on a eu de la chance. Heureusement qu'il n'y a pas eu but. Donc voilà, les amis, c'est la fin de ce match. Victoire 1-0. Donc c'était un match assez compliqué, mais on a été solide défensivement et on a su marquer quand il fallait marquer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc juste avant, si j'ai un truc à vous conseiller, faites-vous cette équipe. Elle est juste énorme ici. N'hésitez pas à vous tester Bouffal aussi. Il coûte 40 000 crédits. Et franchement, il est juste énorme ici. Même s'il n'a pas marqué, techniquement, il est quand même très très à l'aise. Donc si parmi vous, parmi ma communauté, il y a certains skillers, n'hésitez pas. Franchement, une équipe skill, fun, énormissime. Voilà, le milieu de terrain énorme, la défense énormissime, l'attaque, j'en parle même plus. Donc voilà les amis, foncez, faites-vous cette équipe. Et puis moi, bah, je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu, si cette équipe vous a plu. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un peu plus de présentation d'équipe. Je sais que vous aimez bien ça et ça marche très très bien sur ma chaîne. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un peu plus de présentation d'équipe. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Loupel, ciao tout le monde.